Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire de Malekith. En Vortex, pour son histoire, on a une autre bataille contre le chaos, on va essayer de résister. L'idée c'est tireur plus héros et tanking ici. On s'enferme ici parce que le relief naturel, il est top pour se protéger. Et on espère qu'avec ça on soit capable de peut-être aller chercher les fuyards. Ouais, je sais pas. Je pense que... connaissant le personnage... Alors YouTube, vous allez être un peu projeté. Vous avez peut-être vu dans l'ancien épisode, on parlait du Z-Event. Zerator, je serais pas étonné qu'il planche sur une autre idée peut-être. D'un autre truc plus chill, tu vois. Parce que je pense que il est énormément à l'écoute. De ce que disent les gens, et je suis sûr que c'est quand même arrivé qu'il y ait une façon de repenser peut-être des fois un peu la chose, ou de faire une substitution. Oula. Eh, la cave. Ils ont quoi là, hein? Il y a trop de tireurs en vrai là-dedans, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le truc, c'est que je peux pas les faire courir, ça sert à rien. C'est quoi qui court? C'est des chiens de guerre. Ok. Mais y a que ça en fait. Et on est obligé de rester comme ça. Bah ouais. Vu le nombre de tireurs. Le seul problème, c'est que les chiens me font fuir très vite, là. Ah, pour l'instant, j'ai pas le choix que de subir. Ça sert à rien de courir après, hein. Ah, j'ai perdu toute ma cave de poursuite, quoi. Alors, par contre, du coup, les chiens vont très vite se faire calmer. Que maintenant que vous êtes avec un héros qui peut largement encaisser vos coups là. Ah, ils m'ont mis tarif quand même, les enfoirés. Le truc, c'est qu'ils vont pas essayer. Enfin, ils vont pas arrêter d'essayer de revenir. Là, c'est bon. Là, vous voyez, il y a encore des chiens nords qui vont tenter de revenir. Donc, l'idée, c'est que je me mets là pour tout de suite peut-être les intercepter. Merciless warriors, onwards to murder. By Cain. Going. Nagorothi. Duruki. Death. Nagorothi. Advancing. Die, weaklings. C'était une drôle d'armée, hein, ce qu'il y avait en face, en vrai, hein. Massacre them!
dwarves! Bleak swords! Merciless warriors! Terror and death! Dark shards! Battle ready! On to slaughter! Normalement, vous abandonnez, hein. This was not meant to be. Dark shards. Advance, Druki. Corsairs. As you say. Dark shards. Blood will flow. The cowards attack from afar. Voilà. Les chevaliers maraudeurs sont pas faits pour nous challenge, donc c'est bon. Et eh bien, drôle d'attaque, hein. Drôle d'armée. Heureusement, après, j'aurais préféré les murs, hein, clairement. Ok, Mono, bon courage du coup pour le boulot. Et à bientôt. Salut Fléau! J'ai pas fait gaffe au cri. Hein. We will wear no chains. Bon bah du coup voilà, là il y a deux armées qui ont été repoussées, une à l'épisode précédent en fin d'épisode. Et là, ici maintenant. C'est où ça a été attaqué? Là? Non. Ah, ici! Ok, alors là du coup, on va ici, comme ça, on chope ça, on termine. Plus de Malekith, enfin plus de Alitanar. Et je me déteste. Parce que je l'ai vu au moment où j'ai cliqué, que je perdais une harpie. Allez, il reste un tour. Faction détruite, voilà. Était très vite, c'est très bien. Noble born. Voilà, tu peux recruter maintenant une harpie, hein, parce que. Alors. Voilà. Il faut recruter avec l'amiral, parce que sinon. Avec amiral Vegas. Pas amiral Parasite. Parasite. King of the Druki. Pas bonne idée. King Malekith. Lord of the Black Court. A vile plan. Bon, à votre avis. Damn you. Allez, victoire décisive. Death and bam. Carnage wait. Du pognon, du pognon, du pognon. Voilà. Murderous Lord. Tu filmes. Ah non, c'était là qu'on a été attaqué, je crois pas. Bah là il est mort. Pas possible. D'ailleurs t'as beaucoup trop de. We make poor slaves. Voilà. Relations diplomatiques, plus 10, toutes les factions. Allez, pourquoi pas. Hein. De toute façon, toute personne nous aime, donc. Si on peut essayer d'éviter d'avoir des guerres en mettant des émissaires. Alors déjà je vois tout ça, ça va pas. Alors. Le fabricant, pourquoi pas. L'esclavagiste. C'est une blague? C'est nouveau ça? J'ai pas le souvenir d'un truc qui augmentait de 5% toutes les provinces. Genre lui tout seul? Non, je peux pas me souvenir de ça. Un petit émissaire. Pour la bande entente. Important. Qu'à mettre la bannière et j'ai pas autre chose de très très intéressant à mettre. Attendez, 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 parce que. Toi tu peux mettre quoi comme.
Ah, y en a qu'un, hein, on est d'accord. L'esclavagiste, c'est pas genre on va en choper quatre. Je peux recruter direct. Ouais, c'est vrai, techniquement. Ouais. C'est vrai, c'est. Bon, ils seront pas full, mais. En vrai, ouais. T'as raison. On va attendre comme ça. Hop. Voilà. Lord of the Black Court. Il reste 8 tours. On va essayer de les faire dans cet épisode. Donc, on va avancer assez vite. Alors, il faut que je commence à spot là-dedans. Déjà là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ou pas? Ensuite. Allez, par là. Plouf. Allez, bien joué. The Druki are restless. Yes, more power, more. Tout le pognon, hein, il est barré, ça y est. Ça y est, barré. Ok, donc ça a été repoussé. Elebron, elle a repoussé, c'est bon. Elle va quand même rester là au cas où. Lui, il va rester là au cas où aussi. On mettra un de ces trucs là après. Ici, on a deux. Ça veut dire au prochain tour, on va upgrade celle-ci. Ça se trouve, je peux même déjà le tuer là. Comme ça, on est tranquille. End their existence. Your servitude will be my profit. Mercy. A fool's errand. To the ends. Avec Jaffa, on aurait pu faire des trucs de ouf. De quoi, homme sérieux? Tu veux dire par là? Genre en prenant les esclavagistes des elfes noirs, du coup? Pour les utiliser avec Jaffa? Ça aurait pu, hein. Ah bon. Ah bah, t'imagines stacker ça, hein. Serait, bah, de toute façon, avec une faction comme ça modée, c'était sûr que quelque part, il y avait un truc exploitable et hyper fort. Ça, c'était sûr. Malicious and cruel. Malicious and cruel. Président, il dit malicieux et cool. Je pense pas que ce soit ça. Cruel Dreadlord. Patience. On va aller regarder là. Le problème, c'est que c'est pas trop ma région ici. Hein. Ouais, c'est pas trop ma région. Au niveau des guerres, j'ai quoi? You call at your service. Je suis le corne rouge. Bah pourquoi pas, hein. Ah, cruel. Il est cruel. So, you think you can lead the Druki? Une alliance militaire. Non. Pas tout de suite. Attends. J'arrive. The Druki are mad, bloodthirsty. Une alliance défensive. De toute façon, il lui reste plus rien, lui. Donc. Mais il va falloir que je m'occupe des sœurs, c'est pas possible. We will make them bleed. Et mec, jusqu'au bout, ils essayent, hein. Allez, vas-y, je vais au moins détruire une ville, bordel. Allez, quoi. Laissez-moi au moins détruire une ville. Eh ben non. Malice Darkblade. Alors. On fonce ici. Pardon.
En ce moment, j'ai problème de gorge, c'est chiant. Allez, on va essayer de protéger cette zone. Bah ici, on voudrait le protéger aussi. Donc, un mur, oui. On enlève ça pour mettre de la croissance. Ensuite... L'arche de combat... Bah, elle va bientôt partir au combat, non? Ah, ça, c'est des revenus que j'aime bien, ça. Et encore, c'est pas boosté. Il manque ça encore. Encore un tout petit peu. Tout petit peu. Ah, qu'est-ce qui m'intéresse? Rien d'autre, là. Hein. Alors, quel est le meilleur sort? À la fin, je ne sais pas. Je vais tout dégager de toute façon et je vais re-recruter. Hein. Je vais lui refaire son armée correctement. Hein. Ça va être que des ombres comme ça parce que c'est full perse armure. Tyrant. Dreadlord of Naggaroth. Peut-être commencer à pré-shot avec lui. Yes. Une fois qu'il a recruté pour lui. Hecate's servant. I go. Ah ouais. Cette région, c'est pas trop pour nous, hein. Mais là, ouais, non, mais il faut... ouais, il va falloir que je tue les sœurs, je pense, d'abord. Il va falloir vraiment s'occuper des sœurs, mais là, j'aurai plus les arches. Par contre, j'ai le tunnel sombre qui va être disponible, donc... Est-ce que j'y perds vraiment ou change? Je ne sais pas, hein. J'aurais juste attendre que le rituel peut-être passe avant. Speak. Et là, quand je vois le territoire des sœurs, faudra que je m'en occupe. Salut Ranen. Lokir est quasiment mort. Lokir qui est le seul avec lequel je joue les corsaires quoi qu'il arrive. Allez, un petit rite expiré, c'est pas grave. On se porte très bien. Très bonne nouvelle. Et donc si on fait ça, ça veut dire qu'on est capable de casser tout cela. Pour partir sur les revenus à fond. Ici on est à 40%, donc ça baisse. Et ici on est à 19% et ça monte. On va quand même mettre la croissance parce qu'on veut le bâtiment dernier niveau. Et comme ça après. Alors. Tyrant of the Hag. Into the stronghold. Bon, s'il veut me sauter dessus avec ça, il y perd, donc je m'en fous. What now? Malekith, bah, je pense qu'il va commencer à aller là. Hein. Malekith, king of Naggaroth. Je pense qu'on va commencer à aller voir les sœurs. We grant you one last audience. Squander it and doom will follow. Si encore j'arrivais à m'attendre avec elle, à m'entendre avec elle. In Ariel's name. Je leur demande de choisir entre les deux cousins. Ça se trouve, quelque part... Elle aime bien la guerre contre les hautes elfes, hein. Elle aime bien. Parce que tous ces territoires-là, c'est de la merde. Apparemment, il y a un bâtiment stratégique à la con ici, mais... Ah, vous pensez vraiment qu'elle va me déclarer la guerre ou pas? Est-ce que c'est inévitable quelque part? Parce que moi, si je peux me concentrer là et aller là-bas... Elles adorent Tyrion? Ah ouais.
Ouais, il n'y a qu'une aversion de moins 10, alors que moi, c'est une aversion de moins 20. Ouais. Elles te déclareront la guerre. Ouais, je pense aussi, au final. Bon, bah. Allez, Kiss. C'est à toi. Tu me captures ça, on en fait un bastion fort, capable de tanker ses armées, et on n'en parle plus. Do not vex us further. Je vais peut-être pouvoir recruter pour Elebron aussi. Par contre, je suis grave en retard, hein. Parce que là, Exoat, je sais pas ce qu'il a, mais... Il est vénère, lui, sur ces trucs, hein. Je vais payer, là, par contre, hein. 28 colonies, le cochon, hein. 28 colonies, hein. Après, j'ai beaucoup attendu pour mes rituels. C'est pas très grave parce que je voulais au moins une fois connaître quand même l'attaque pour empêcher l'ennemi de gagner. Je voulais connaître ça. Maintenant, au moins une fois. On s'était dit ça au début de la campagne, ça pourrait être pas mal quand même d'essayer de voir ce que ça donne. Bon, lui, avec ses deux trucs, largement, il tient ça. Ça, y a pas de souci. Donc, on peut aller là. Les deux vont recruter ensemble. Je fais une armée pour lui, de combat. Que je vais ramener, je pense, par là. Pour intercepter. Et ensuite, Malus et Elebron plus Malekis, ça attaque les sœurs. Voilà, le plan. Une rébellion ici, c'est pas très grave. Surtout que j'ai Malus à côté. Yes. On va s'en sortir. Mazda, il a déclaré la guerre à tout le monde. Ouais, mais je vais lui envoyer une armée à 10 000. Hein. Prochain rituel, j'envoie l'armée au bon moment. Hein. Non, parce que là, il faut se calmer, le monsieur. Hein. L'effroi béni est mort. C'est pas grave, je le récupère. Loki, rejoins-moi, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Gifts from Kane. Alors. Qui m'assiège où? Ok, au revoir. C'est gentil d'être passé. Beautifully deadly. Cain calls me. Proud. By the Lord of Murder. Spare none. C'est une armée quand même qui voulait en découdre avec le petit canon à peau. Hein. Alors. On est d'accord, il y en a toujours deux qui reçoivent, c'est tout. Ouais. Ce sont ces deux-là. Cease your provocations. Alors, ici. Bah oui, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? Allez, plein de parchemins. There is growing unrest. Donc 4 tours, il est prêt, lui. Donc lui, je peux le casser.
Les revenus devraient exploser là, dans pas longtemps. Non ? Ah, peut-être pas. Tyrant of the Hag, increase the pace. Vicious Dreadlord. Ok. Un petit niveau pour lui. Les attaques éclair. Alors là, du coup. Tout. On va peut-être faire d'abord l'armée de Malus. Black-hearted Dreadlord. Attack! The thrill of battle awaits. Allez, faction détruite, y a plus rien, c'est ok. Black-hearted. Lord of the Black Court. I live. My cruelty knows no limits. Seeking to... We grant. En plus, elles ont pas beaucoup d'armées, donc est-ce que je crains vraiment quelque chose contre eux? Je suis pas sûr. Par contre, ouais. À fond, hein, les gars. Je vais essayer de faire la paix avec lui maintenant que j'ai récupéré un sol. Parce que s'il peut faire un sol chez les sœurs, moi ça me va. Hein. Ça me va 100%. The way is open. On va améliorer celle-ci. Moins en danger. Ça peut être pas mal parce que les sœurs à choper au buveur d'esprit et au rire, ça peut faire son effet. Donc s'il faut retenir, c'est surtout attention à Mazda là, parce que Mazda il est de toute façon en vortex, il est vénère tout le temps lui. Et faction détruite, il me ressaute dessus, bah je vais le tuer avec Elebron et puis c'est tout. Lui on tue. Alors. On n'en parle plus. Kane is watching. What? Dead warrior. Comme ça, je commence à m'établir ici. If only we'd. Ça va remonter quand je vais déclarer la guerre à... I feel Kane's gaze. Aux sœurs. Allez, le petit mur. Ça, c'est safe. Et la croissance. Quoique. Un petit truc comme ça aussi, ça fait pas de mal. Là, je m'en fous un peu. Au niveau des armées, bah je recrute pas du coup encore. Peut-être un peu long à recruter aussi. Là, à chaque fois je dépense tout dans l'économie, mais en vrai. Yes. Parce que là j'ai plein d'armées qui attendent que ça que je recrute justement. Hein. Je devrais peut-être calmer certains bâtiments. Hein. Tyrant of Nagaroth. Tyrant, double time. Fear my malice. Kane is. Allez, les deux sont. Mon prochain tour, c'est ça. Pas de bâtiment. Sinon, on va jamais y arriver. Là, par contre, ça devrait prendre une ampleur bientôt au niveau pognon. Glory to Kane.
Et au prochain tour, on attaque. Ouais, je sais que t'es chaud, je le sais. Mais pour l'instant... J'ai peur que tu perdes en puissance si je fais ça. Du coup, ça... je suis pas chaud. Faudrait que je vois peut-être avec les Skaven si je suis capable de me mettre en alliance. Allez, l'autre il a réussi à blesser. Ah ouais, mes personnages, va falloir leur mettre des gardes du corps. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc, j'ai pas compris. Ah! Un petit assassin de Kane! Lui, il fait plaisir. Il fait peur. Who seeks my malice? Oh, c'est tout ce que tu peux faire. Bon, après, les chances de succès de l'action du héros, c'est pas mal, hein. Un petit blessé sur sa gueule, là. Their death is assured. Eh, si ça passe, là, sur le 40%, bam, hein. Et ça passe pas. Dommage. On a dit le pognon, c'est pas pour les villes là. Pour les armées. Les armées. Alors, première armée en préparation. Manus est quasiment terminé, donc on va s'occuper de lui. Il va commencer par donner. Donner ça. Pour commencer. Dreadlord of Naggaroth. Ready. Du coup, il veut récupérer quoi? Concrètement. What plot? Ça. Il y en a peut-être un de trop. Quand même, hein, parce que si déjà j'ai deux chars. Great gods of Druki. Je peux demander deux comme ça encore. Pour avoir la protection nécessaire. Avec Malus. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir avec Malus? Qu'est-ce que tu boostes Malus? Malus, il booste... Il booste les 100 fois, les chars à 100 fois. Ouais, donc toi, tu ne boostes rien au niveau des... Cœur de pierre. Non. On va partir sur du relou. Deux dentilles larges. Voilà, hein. Ça me semble pas mal, ça, non? Comme armée. Ça a de la gueule. Deux trucs anti-lâches pour choper de l'homme arbre. Des exécuteurs au sol avec les gardes noirs. Du tireur derrière. Du coureur. Kane's priestess. Ouais, il a absolument tous les bâtiments de guerre sauf ceux-là. Mais bon, ici... Après, faisons les bâtiments de guerre jusqu'au bout, quelque part. Comme ça, au moins... Je pense pas avec elle, les sorcières. Ça tankerait pas assez, les sorcières, je pense. Hein. Et... Ça. Parce que poison, attaque magique, c'est bien, mais le problème... C'est très rapide après. Mage de feu maudit. Black-hearted. Ils sont maudits. Vous m'avez dit de dire... On peut essayer le petit bâtiment de revenu pour l'instant.
De toute façon, il y aura la place pour lui après. Et du coup, on a dit, on attaquait les sœurs. Donc c'est parti. Alors, le truc, c'est qu'on va capturer un peu tout aveuglément. Merciless host, attaque. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de piller au maximum. Ici, ça me dérange pas, par contre, de monter parce que orange, ça se tient quand même. Et pour ce qui est du reste, voilà, hein. Là, on va s'enfoncer là. Bah, si ça fait partie, oui. Mais l'arbre, on va le détruire. Ça, on va le détruire. Ça, on va le capturer avec malus. By the Lord of les arches ne pourront pas soutenir, donc on va appeler les arches à défendre cette zone si jamais. Et puis voilà. Hein. Rituel d'opposition. Faudra regarder ce que ça donne. Hein. Ah là là. Ok. Cette guerre est très très bonne pour nous. Alors déjà, première chose, on avait dit en plus on voulait voir avec les Skaven. Les Skaven, où en est-on? Pas fort du tout. Nul. Même, pardon, j'ai le hoquet parce que j'ai trop forcé. Et on s'entend avec personne en plus. Si. For them, I am troubled. Yes. Good decision. Les sœurs vont peut-être pas aimer, mais je m'en fous. Death comes to all. Allez, bisous. A worthy servant. On gagne 11 000. 11 000, bordel. Noble born. On doit attendre deux tours encore pour tout ça. Death hag. Bah à la limite, toi tu vas te dépêcher ouais, d'aller là-bas. Hein. Chill-hearted. Murder awaits. C'est risqué. Not possible. Mais c'est ok. Elle, c'est la ville la plus mise en danger, donc je crois pas trop à ses chances de survie. Je dirais même qu'elles sont basses. Le mur ici, forcément. The people are displeased. Allez, deux tours. Et deux tours aussi pour le rituel, on va avoir le droit à une petite cinématique. My skills are yours. Il va faire plaisir. I trust our... Alors, on va voir si l'arbre est défendu. Alors, si l'arbre est défendu, hors de question que j'aille dedans. S'il n'est pas défendu, je pense que je le fais avec cette armée. Hein. Et je le détruis. Évidemment. Le Rakars. Ah bon? Allez, hey, défendez-vous les gars, Rakars, défends-toi! Casse-leur la gueule! On fait attention au rituel, hein? Fais attention au rituel! Ils en sont où? Ok, les rituels ici, c'est bon. Ah, lui, c'est bon, pour l'instant, il le fait pas. Allez, un tour! Un tour, un tour. Allez, succès! Succès, monsieur! Ça plus ça contre nous. On a quand même pas mal de tireurs aussi.
Ils ont de la cavalerie, les points de frisson. On a une moins 12. On a qu'à prendre ça vite fait. My blades thirst. Allez, parfait. En vrai, sans l'auto-réseau, je sais pas ce que ça. Enfin, on gagnerait, mais des fois je sens que c'est plus dans la douleur qu'autre chose. Et là. Et là, surtout. Et là. Dark-hearted. L'arbre n'est pas défendu. L'arbre, je répète, l'arbre n'est pas défendu. Donc, je vais me cacher là et on verra bien. The Druki are restless. Ah, il va peut-être se calmer, hein. Allez, au prochain tour, il est prêt. Il fonce par là pour aller attaquer et Lebron reviendra. Ok. Allez, avec 2000, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut augmenter ça et ça se trouve, on en a encore un autre à augmenter. Ah, là. On ne croit pas. Là, ça... Boum, d'un coup, ok. Avec tout ça qui se débloque, en plus. Ça devrait permettre de gagner encore plus. Là, on va booster les ombres. C'est celui-là. Celui-là, il est bien, hein. Ah, il est bon trait, lui, hein. Ah, ouais, ouais, techno. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Allez, pour les défenseurs, ce qui fait que maintenant elles sont à 84 de défense en mêlée, elles cassent des cures. Ici, niveau 3, bientôt niveau 4. Le niveau 5 ne m'intéresse pas énormément, donc je pense qu'on va pouvoir passer en ordre public ou autre chose que ça. Qu'est-ce qu'on a? On a en ordre public là, mais on le tient normalement, non? Ah non, on le tient pas des masses, hein. On est à 1. Faction, horde, bâtiment, technologie, ouais. C'est quoi dans le moins 10? Moins 8. Personnage, moins 8. Personnage, moins U. Il y a quelqu'un qui rentre ici. C'est obligé. Il y a quelqu'un qui rentre. Ça nous attaque sa backdoor. C'est les pointes de frisson vif. L'icône bleue. Elles ont peu de portée, mais elles ont des dégâts monstrueux. En fait, elles doublent leur tir en tapant magique. Donc, t'as qu'à voir. J'aimerais surtout commercer avec toi. Je sais que normalement, tu devrais pas perdre si facilement. Tu te laisseras pas faire, je pense. L'idée des poisons vifs, c'est de faire très très mal pour le coup. Les voilà les sœurs. Ok, bon bah là c'est Malus qui part là-bas. Hein. Oh, cinématique. The scrolls revealed the second sacrifice, a hated foe, a prince of Althuan who had confounded the sorceress once before. The assassin took his blood, and she reveled in death. The chalice begins to fill. But more of Hecate's scrolls are needed to find the next sacrifice. Le deuxième sacrifice est là. L'effroi béni, je l'accepte. Ah. Oui.
Ah non, mon assassin déjà. I have no equals. Alors le problème c'est que si je le laisse. Chosen of a party. Tula Nasa. Est-ce que j'irai pas tout de suite me mettre là en mode raid? Vu que j'ai vu où était son armée. Pour justement essayer de... Et là, vu qu'on sait maintenant, a priori on est tranquille, vu que l'armée dangereuse elle est là-bas, avec les sœurs là-bas, et bah c'est très bien parce que Manus va arriver à pleine vitesse. Murderous lord, malevolent lord. Le truc, c'est que du coup, elle faudrait qu'elle revienne à toute vitesse là-bas. On va lui préparer un petit peu son armée. Alors, qu'est-ce qu'on veut avec elle? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des méduses. On veut des méduses. Méduses. On veut. On voudrait éventuellement. Sûrement des gardes noirs, parce que anti-large, tout ça, comme d'habitude. Donc là, il y en a... Ils sont 13 au total. Parce que lui, il va dégager. On n'a pas de sorcière, donc on pourrait être 14. Ce qui fait que 14... 15, 16, 17, 18... Et là... On prend un hôtel et une méduse. Hag Queen. Et on part du principe qu'il y a une sorcière. Viens dans l'armée. Mais on peut pas. Si, il y a une sorcière de feu là. Elle pourrait venir. Fear me. J'avoue qu'avec cette armée, j'ai un peu peur. Ah, Malekis, après, il fait mal. Hein. Les dragons font mal. Les harpies vont faire mal aussi. Au pire, on claquera le rituel pour le tunnel sombre, comme ça au moins. Il y aura des petits tips en plus. On est dans un moment qui peut être un peu dangereux, donc ça peut valoir le coup. Allez, ça c'est investi du coup, ça fait plaisir. Ça, pour l'instant, je ne peux pas. 1900. C'est un chouïa cher. Un chouïa seulement. Ok. Fin de tour. Salut sans aucun but. Ça va bien et toi? I am Malekith. Il y a eu de la déclaration de guerre là, on a vu, hein. Non, je peux pas, j'ai trop peur. Mais non, ma mort sera pas lente. C'est pour toi que je fais ça, pour que tu survives. Salut Momon. Oui, voilà, perdre c'est normal. Par contre, ne pas se laisser faire aussi, c'est bien. Parce que là, je pense que je suis capable de faire mal. Peut-être même de tuer la sœur du crépuscule. Mais je préférerais la tuer avec Malus. Si possible. Alors. En vrai, ils ont pas énormément de tireurs. Hein. Dans son armée, hein. Je pense qu'on va faire ça et ça. C'est marrant, j'ai pas le souvenir de cette carte. Ah si. Ouais, non. Non, non, pas vraiment.
battle ready! Dark Elves! Talak! Cold-blooded killers! Ouais, quelque chose me dit que ça, ça va vouloir me défoncer. Hein. Ah, c'est tentant de mettre ici aussi, en vrai. Hein. Parce que si je les mets là, imaginons. Là, je peux tuer pas mal de bébêtes. Et de la bébête bien chiante, là. Les murs, les autres, là, les autres. Ah, ça, ça, faut tuer. Ça, ça quand tu le vois, faut le désherber direct, les autres. C'est plus, ça colle plus sur les murs, mais... Ça, là, les ogres dragons version nature. C'est plus chiant, même. Je pense. Ah non, en fait, je vais peut-être parier tout ici, au final. Pour essayer de tuer un maximum de monstres. Ça me paraît être le bon plan. Eux, vu qu'ils sont capables de résister aux tirs. Voilà. Dark Shards. We are ready. Pour bloquer. Voilà. Ah, c'est la version. Ah, si, du coup, je reconnais en fait. Mais en plus clean. C'est la version sous David Scaven, mais en plus clean. C'est vrai qu'on la voit pas souvent celle-ci en autrement que Scaven en fait. Ouais, c'est vrai. Là, comme ça, quand j'ai vu les trois tours, ça m'a tilté. Ok, bonne âme, Dr. Claw. Il faut tirer sur ça. Ça, ça dégage ça. Ouais, ça c'est chiant, donc c'est bien de le tuer. Les tirants, on peut pas faire grand chose, hein, de toute façon, à part les subir. Ah oui, eux, ils sont en mode, ils veulent... ok. Tellement stylés eux. De quoi? Ah bah oui, c'est vrai qu'on la voyait pas en vrai. Honnêtement, j'ai plus envie de tuer les autres que d'essayer de la taper elle. Mais non, mais tirez là-dessus, au secours. Ça y est, il commence à être chiant déjà là. Allez, il reste plus grand chose.
À limite. Oh! Hey, pendant qu'ils font ça, je passe derrière là. Et je l'ai tout. Pas se passer exactement comme c'était prévu. Oh là là, ceux-là aussi là. C'est chiant en vrai parce que je vais peut-être tuer la sœur sans faire exprès. Alors que c'est pas elle que je focus. Jeu, c'est tuer ça. Par exemple. Et les murs, les trucs vraiment chiants. Je veux qu'elle recrute de la merde. Pour qu'après, avec Manu, je puisse la tuer facilement. Pas la tuer. La tuer, non, ça m'intéresse pas. Alors est-ce que j'ai chopé quelques monstres chiants? Ça serait top, ça. Ouais, en vrai, si je peux avoir tué ça et ces deux-là. Oh, et pourquoi pas lui? C'est top. Ça, je m'en fous. Je la joue en mode défensif, ça passe. Faut juste pas trop de tireurs. Et on serait bien. Et on serait très très bien. Le Zochu, ok. Le Lemur, c'est ok. Non, vraiment. Top. C'est quoi ça déjà? C'est un éclaireur. Ouais, je préfère... quoique. Je préférerais peut-être tuer l'éclaireur plutôt que le garde Sylvain, mais bon. Oh, puis si elle détruit en plus, ça veut dire qu'elle ne régène pas. Donc Malus, il va aller tout droit. Ah, merde. Mais attends, de quoi t'as recruté comment autant, toi? Non, ah, c'est juste... Ben non, t'as vraiment recruté autant, en fait. Au secours. Noble of Naggaroth. Ok. Dark Blade. Allez, sœur, du coup, j'arrive avec Malus. Bloody-handed priestess. Et bon, on est en train de te préparer tes petites unités. Donc ça va être bon. Alors normalement maintenant on a, faut le préciser quand même, Momo et Loki hein, qui nous ont rejoints grâce au Recruited. J'aurais pu les confédérer mais bon. Ce que je veux c'est surtout les récupérer. Je confédérer un truc un peu nul des fois, bon, ça m'intéresse pas. Après je peux abandonner la ville maintenant. Ça peut être intéressant aussi mais je m'embête pas vu que j'ai le mode. Ok. Hmm.
pense que pour les prochains rituels, ça sera intéressant forcément d'avoir ça. Et là, du coup, bah, je peux quand même mettre ça au final. Et mettre ça aussi. Parce que... Bah non, j'ai ce bâtiment-là. À fait à mettre. On est d'accord que j'ai pas d'ordre public avec tout ça, là. Hein. Il n'y a jamais d'ordre public si ce n'est ici. Hein. Là, j'ai quoi? Non. Ça, ça m'en donne pas. La tour des sorcières m'en donne pas. Donc, non, je dois le garder. Je dois le garder. Donc, ça va être ça. Et ce bâtiment-là, dès que je peux. Donc ça, ça va augmenter encore les revenus d'esclaves. Prochain tour, elle est prête. Et toi, du coup, bah, à mon avis, tu peux partir. Quelque chose me dit que tu peux partir. Après, on peut essayer de se mettre là en embuscade. Parce que ça va sûrement essayer de récupérer. My power is yours. Druki servant. Est-ce que je fais le rituel tunnel sombre? Pour l'instant, ça va, il y a pas trop de danger, mais là Elven Archmage. Ça arrive hein. Ça arrive, ça arrive. Black-hearted Dreadlord. J'ai presque envie de lui dire dépêche-toi. Black-hearted. What? Mistress of Harganeth. Confédération. Ok. Donc Rakars là, il est vraiment maintenant contre. Ok. Je sais même pas si c'est par les sœurs. Je sais. Je crois qu'il y a eu tout, hein. Il y a eu des hauts elfes aussi hein, qui sont venus l'embêter. Hein. Il y a eu de tout. Ah, on est bientôt au rituel en vrai. Hein. On est bientôt au rituel. Allez, tu récupères ça. Murderous lord. Behold my beauty. Cain calls me. Cain in. Alors il n'y a pas la place pour la sorcière, mais j'envierai peut-être une sœur du massacre. Ah non, c'est toi. Toi t'aurais dû dégager en fait. Voilà. Maintenant, c'est son armée à lui que je vais recruter. Donc. They give good service. Hop, réputé écrin maintenant. Amiral Vegas, tac. Alors. Ça coûte cher, mais c'est efficace. Voir ça comme ça. I command the winds. By Cain. A black-hearted rogue. I am gone. The way is open. Tyrant of the hag. Onwards. Allez, en embuscade, on va choper la, du coup la sœur ici. Dark Lord. My cruelty knows no limits. Le terrain, il est tellement nul en vrai. Death. Ce que je vais, c'est quand même essayer de la tirer, mais ça va être compliqué. Hein. Un chanteur qui a Ariel avec, avec lui. Wow.
Et le tunnel, il va peut-être être nécessaire très rapidement, hein. I will flay this traitor myself. Hag Queen. Donc je vais attaquer ça. Je vais détruire tout ça, histoire d'être tranquille. Ça, je ne vais pas garder. C'est beaucoup trop chiant à garder. On va juste ruiner tout ça. You seek immortality? Very wise. Et je le tue, lui. Je le mets en alliance défensive, comme ça je le mets en guerre avec un... Pour l'instant, on n'est pas encore en guerre. Hein. Pas encore. Ça ne serait tardé, je pense, mais pas encore. Je sais pas s'il a encore envie, lui. Voilà, traité de paix, très bien. Alors tout ça nous coûte à force. Mais là, on a trois grosses armées maintenant. Il y a un tunnel sombre activable à tout moment. Our power is unmatched. Our time must not be wasted. 15 plus quelques troupes encore face à ça. Even Ariel could not. Fear me. To work, brethren. They will suffer. All shall be mine. J'aimerais bien l'avoir en embuscade, la séparer de son truc là, mais. Ouais, puis là maintenant, voilà. Bizarre, mais que ça sort, elle rigole plus. Hein. Ah, au prochain tour, j'attaque ça. My power is yours. Death comes to all. Allez, ça dégage. En plus, c'est une. J'avais pas fait gaffe, mais c'est une spé feu. Alors, elle a pas les sorts encore, mais la boule de feu, c'est déjà suffisant pour essayer de sniper un peu. You are unworthy of our shared heritage. Allez, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Amène-toi. Yes. Amène-toi, amène-toi. Comme ça, on peut discuter. Toujours pas de déclaration de guerre. I am Malekith. Oh, si je pouvais le muter un petit peu, ça serait bien quand même. Hein. Parce que là, je dois m'occuper des sœurs d'abord. Et après, je m'occupe de Tyrion. Mais je peux pas faire les deux. Défaite valeureuse. Ah bon ? Non. Avec malus, j'ai des doutes. Et j'ai des petits doutes. Parce que là, tu vas me charger, t'as des héros, ok. Mais là, j'ai des ombres qui vont te détruire ta cavalerie. Ils vont te les fumer. On va te fumer ta cave. Déjà, on va se dégager de cette forêt pourrie, là. Ouais, elle est là. On va les bouger par là, un par là, un par là. Ah,
one. Of course! Carnage awaits! Murder awaits! Advancing! They'll die! Black guards! Going! Moving out! Soulless! By Cain! Dark Blade! Bah là, il va se faire ouvrir. Allez, plus jamais tu reviens, toi. Follow the wind. Au revoir. Black guards. Dark elves. Ah mais si tu veux challenge, allez, mais viens. Ah moi ça me va hein. Ah gentil, un shampoing. Ah ça c'est sympa ça. Battle calls. Slaughter them. Merciless warriors. On les spot de quoi? On les spot de là, si. Venez, venez, venez! For Hag's grief! By Dracula! Make them bleed! Executioners! Oriol, Sarius! Nagarothi! Shades! No survivors! Druki! Understood! Advance, Druki! Advancing! On to slaughter! Druki, forward! Dread Knights! On to murder! Executioners! Eager for battle! Onward! C'est bon, vous en sortez ici? Yes. Ah là, maintenant, il reste que les héros vraiment chiants, quoi. Et j'espère que le garde d'honneur il va survivre. De quoi? Bah on verra si c'est au moins 7 unités, normalement ça survit. Hein. J'ai pas vu l'autre comment elle survivait, mais bon après... peut-y attendre à ce que ça meure vite quand même face à eux.
Ah, ça en fait une. J'ai pas vu l'autre, comment elle survit. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On perd en puissance. Et il faut faire attention à ça. Par contre, il me donne en très reconstitué. Oh, ah, les seigneurs. Les puissances des tirs pour les ombres, bah très bien. Hein. On prend. Je vais reprendre, je pense, encore la réduction d'entretien parce que tout ça c'est cher. De la puissance, il en a. Hein. Ouais, c'est dommage, on perd un garde. Ah, ça, ça risque de souvent arriver. My cruelty knows no limits. Noble of Naggaroth, sorceress of Grond. Dommage. King of the Druki. Dreadlord. Druki, bloody slaughter awaits. Lord of the Black Tower. What lies ahead? A novel prospect. Voilà, comme ça t'arrêtes de traîner autour. Crone Hellebron. Hellebron, elle reste en mode défensive. Black-hearted Dreadlord. Dreadlord of Naggaroth. En vrai, j'ai deux possibilités. Lord of the Black Court. Mais je pense que je vais quand même en recruter deux encore. We are displeased. Alors, on va peut-être investir un peu là-dedans quand même. On en est où là? 7 tours avant le surplus, ça veut dire qu'après ça va encore exploser niveau revenu. Un peu comme ici, normalement, 1138, 1609, 4096, 1235. On est pas mal du tout. Sachant que ça, ça va encore faire monter tout ça. Ça, c'est ok. Il y a ça aussi qui va nous faire monter à mort. Donc ici, j'y touche pas. Ici... Bon, est-ce que ça vaut pas le coup de casser maintenant les bâtiments? On est à 34. 1200, sachant que si je mettais un bâtiment comme ça, à la base, ça me rapporterait 600 par bâtiment. 600. Ah, mais attends, mais pourquoi il y a encore ça, là? Ah ouais, mais ça aurait dû dégager depuis longtemps, ça. Donc 600... Ça aussi, ça aurait dû dégager depuis longtemps. J'ai pas fait gaffe. Bravo. Allez, on va investir là. En fait, j'ai envie de les achever maintenant. Hein. Je pense que je peux me le permettre. J'ai peut-être un garde noir en moins, mais derrière, j'ai toujours les ombres qui sont en pleine forme, boostées, il y a Malus. Malus, Darkblade. Et de toute façon, on ne l'utilisera pas. Sinon, si on ne le lance pas à un moment, on ne l'utilisera pas. Donc, allez. You are unworthy of our shared heritage. Tac. So you must die. Et on y va. Victoire à la Pyrrhus, mais il y a zéro perte. Bon, bah, c'est parfait. For the hag. Treasures and power all to me. Ça nous permet de remonter ça à fond. Il y a des ogres en plus. Merci Ragnono, 1000 esclaves pour fêter ça. Ah là là. Merci énormément pour ton 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour tout ce temps de soutien. Comment ça va? J'ai pas compris du coup DK comme ça sans aucun but. Qui? Quoi? Non, on peut pas, Dr. Cloak, avec les elfes noirs. Yes. On ne peut pas. On peut avoir... C'est large, je peux permettre de recruter, mais... Tu
peux pas recruter en global. Non, ça serait peut-être beaucoup trop fort. Quelque part. Weak, mother of despair. I am Cain's relic. Come forth, blood queen of Harganeth. Hag queen. On remet la croissance. Alors, vu qu'il y a 9 tours, je vais pas reconstruire celle-ci avant un moment. Hein. Je vais plutôt me concentrer sur le niveau. Ah bah non, je peux investir en vrai. Normalement, je peux. Oh. Bon, là, on a une petite rébellion chiante, mais avec le mur, tout ça, ça devrait tenir. Avec le mode, ça me tue. Parce que du coup, ils ont des voix à chaque fois. Bon, on essaye de tendre une embuscade avec elle. Sur eux. Alors, c'est, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas... Je suis pas sûr de faire la bataille. Ariel, autant de tireurs... On n'est pas très fort quand ça commence à tirer plus loin que nous. Je suis pas trop fan. Oh, les sœurs qui sont déjà là. La faction est détruite. Tyrant of the Hag. Okir et son arche est maintenant prête. I command. Venture forth. Donc on va détruire ça, on va essayer de détruire les deux là. Je voudrais essayer d'arriver à tendre une embuscade ici, mais c'est pas facile. Bon, Torok, ça avait l'air de se défendre. Hein. Oh, l'erreur. T'as pas attaqué les unités normalement. Les unités. Mais oui, c'est pas la garnison. Oh, les sœurs sont là. Intéressant. Bah oui, du coup, on augmente ça. Black-hearted. Bon bah ça, c'est la bataille qui va nous permettre d'en récolter beaucoup. This is a thin joke. Malekith, king of Naggaroth. Lord of Naggaroth. On a le tunnel. Hein. Victoire de justesse, perte faible. Ça me tue mes harpies. On va la faire quand même. C'est un arbre. Faut respecter. On respecte, on respecte. Ah oui, par contre, j'avais oublié. Va falloir faire 3 km pour enfin retrouver les ennemis. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage hein, qu'il ait foncé comme ça. Hein. Il a presque eu une zone. Presque, presque. Dark Elves. On y a cru. Bon, franchement, on a vu le truc, on a fait « Oh !» Et après, en fait... Non, 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 non. Rien. Alors, c'est soit c'est moi qui l'attire, et dans ce cas-là, c'est top. Parce que, par exemple, pourquoi pas se mettre ici. Elle est jolie, la carte. Hein. Pour les défoncer. Battle ready. Black Guards, Dark Elves, Black Guards. We are ready. Soit on les attire pas du tout.
Et en soi, bah du coup... Bon, je pense que je vais réussir à les trigger quand même. Ça me paraît faisable tout ça. Warriors, without question. Terror and death, black guards. Advancing. On to slaughter. Cold-blooded killers. Forward. Non mais les faucons qui sont camouflés, sérieux? Eh tiens, dégage. Chez. Voilà, je vous avais dit, on va peut-être réussir à les trigger. Chose fait. Setting forth. Mannequin guns. Moving out. Come forth! Spreading misery! Onward! Carnage pours! I depart! Ok. Bah là maintenant, ça va être à nous de courir après eux, quoi. On n'a plus tellement le choix. Ici il se passe rien, donc je vais en profiter pour passer avec eux aussi et les harpies aussi, hein, allez. C'est parti, on envoie tout, hein. Bon, la magie est en train de se récupérer, donc c'est bon. Là j'envoie dans les troupes ennemies, de quoi peut-être les calmer un peu. On va essayer de passer avec ça. J'ai un peu peur pour elle, mais bon. Elle est 13 secondes et c'est prêt. Voilà. Cold-blooded killers, no survivors. Destruction awaits. Voilà. Il récupère un peu de vie grâce à ça. Et ben ça s'est très bien passé. Je veux voir les kills qu'ont fait un peu mes balistes là. 102 avec 9000, 7000. Ouais, ça va. Ah, pas la folie, mais ça va. Trois espèces. Du coup, d'hydre supplémentaires. Ah ouais?
Ça va bien, Ragnolo. Ça va très bien. Salut, Loubou. Bow before Malekith. On capture, hein. Bien sûr qu'on capture, parce que ce qu'on veut... Bon. Alors. Normalement, l'ordre public, on le tient pas. Hein. Moins 25. Prepare to die. On va voir. Mais normalement, on le tient pas. Donc on va investir un petit peu dedans, vraiment. Un petit peu. C'est pas un peu. Un petit peu quoi, un petit peu. Ils ont pas... Ah si, ils ont un autre bâtiment. Ouais, non, 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 non. Non. C'est juste pour l'empêcher de recapturer derrière. De toute façon. Derrière ici, c'est une embuscade. Malus. Il peut pas avancer pour l'instant, donc il avance pas. They serve me well. Ils viennent de perdre beaucoup quand même. Malicious and cruel. Avec 26 000. On en fait des choses avec 26 000. Black-hearted dreadlord. Allez, on rince l'arche de combat. 75. Allez, vas-y. Tu peux encore en prendre. Quatre, cinq, huit. Voilà, ça ira très bien. Ensuite. Lord of the Black Court. Ensuite. Ça serait quoi la priorité? Cette zone, mais cette zone... oui, si, si. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ouais, enfin... Bah déjà, normalement, tu devrais être équipé avec ça. Hein, toujours pour gagner plus. En plus de ça... Allez, vas-y, vas-y. Ça y est, plus de thunes, hein. Comme quoi, on en fait des choses, mais pas tant que ça non plus. Hein. Cease your provocations. Défaite valeureuse. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Pulling back. C'est ça, venez vite à l'intérieur. On va vous accueillir. L'assassin... Je suis pas dans le bon sens là. C'est pas grave, je t'en veux pas si tu n'y arrives pas. Ce qui compte, c'est que tu continues de monter tes points. Petits points. Alors ça, ça va probablement m'attaquer... la ville. Mais c'est pas grave. Parce que derrière, on a mis un sacré coup. Et on va peut-être arrêter l'épisode ici. On en est où dans le rituel? La Confédération d'Ibresse. Oui, 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 oui. Allez, le Skaven. Allez, le Skaven. Quelque part, on s'y attendait. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils rasent et après... potentiellement, ils capturent. Grossière erreur, bien évidemment, mais... In the wastes, the ice never melts. Ce qu'on veut, du coup, c'est détruire ça. Détruire la prochaine. Scum. Alors, si c'est sa seule armée, va du coup commencer à aller là. Détruire avec ça, si on peut. Moving out. Ah, on en est quand même assez loin. Il me faut 2040 et je gagne que 37 par tour. Oh, ouais. Et il faudrait que je chope plus de villes comme ça là qui rapportent justement. Genre là, là, en clume de vol. Parce qu'elle, toute seule, elle rapporte énormément. En vrai. Cette ville-là rapporte parce que 10 à elle toute seule. Comme si elle valait 11 colonies, quoi. Énorme. I am the Witch King. I have better things to do. Je pense que je mets à ça quelques renforts.
dealers of death. Leave nothing behind. My cruelty knows no limits. Comme ça, il rentre à l'intérieur. Voilà. Voilà, hein, de toute façon, les... Oh, par contre, il y avait du pognon. Ça. Pas besoin de ça. Ouais. Parce que revenu de commerce de 3%. C'est pas forcément le plus efficace après, hein. Est-ce qu'en vrai c'est pas mieux ça quelque part, voir ça, pour avoir des assassins et des matriarches en plus? Je pense, hein. C'est quand même au-dessus que 3% de commerce que je pourrais mettre là, une fois qu'il y a quasiment plus d'esclaves ici. Ce qui est presque déjà le cas quelque part. Les Druki sont restless. C'est bien, c'est que la moindre des batailles nous rapporte tellement. Un vrai plaisir. La croissance ici, on n'est pas obligé d'être pressé. Ici, c'est très important, donc dans 5 tours, et puis voilà. Hein. Donc on peut économiser en vrai, voire dépenser pour lui, comme ça c'est fait. Genre... des petits dragons. Voilà. Allez, du coup côté YouTube on s'arrête là. Au prochain épisode on devrait approcher, je pense, du rituel. On empêchera celui d'Exoat, on empêchera probablement ceux des Skaven, mais quoi que les Skaven, j'aimerais peut-être essayer un petit truc. Vous savez, il a l'air de... Je sais pas où il est, mais normalement le clan Morse, il est là-bas, hein. Il a l'air d'être puissant. Combien de villes? Le clan Morse, il en a 20. 20, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. On pourrait, avec lui, par exemple, dire pacte de non-agression, et au pire, s'il gagne de la puissance, tant mieux. Tant mieux, non? Ouais. On peut signer ça. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre commerce, à part avec lui. Ouais. Bref, des bisous YouTube au prochain épisode où on essaie d'arriver jusqu'au rituel. Ciao, ciao.